En 2020, Rutis Plus African Concept voyait le jour. Bien plus qu'une marque, c'est un véritable concept store qui s'installe dans plusieurs villes du pays. Trois ans plus tard, la marque s'apprête à célébrer son anniversaire. L'occasion de faire un premier bilan avec sa fondatrice, présidente gérante, le docteur Linda Caboret. Madame Caboret, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté de notre invitation. Avant d'échanger sur l'événement du 18 décembre, j'aimerais, si vous le voulez bien, retracer la genèse de Rutis Plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la marque? Alors, vous avez dit euh, 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'en 2020, on était en période de COVID. crise sanitaire. Et cette crise sanitaire a provoqué deux choses en moi. C'est de mettre à disposition de la population des médicaments issus de la médecine traditionnelle, puisque vous savez que je suis experte et consultante en médecine traditionnelle, mais mes filleuls, les tradipraticiens ne veulent pas entendre ça et disent ça c'est les titres des blancs, nous tu es notre marraine, parce que j'essaie de les mener vers une démarche qualité. Donc euh, tout de suite, avant que cette maladie n'arrive, j'ai réuni mes filleuls, j'ai dit il y a une maladie qui frappe à notre porte. Je suis sûr qu'en médecine traditionnelle, vous pouvez les, les, euh, faire quelque chose pour nos populations. Voilà les après. symptômes. C'était en février que je les ai réunis. Deux semaines après, ils m'ont sorti une trentaine de produits. Et ces 30 produits ne trouvant pas écho, j'ai décidé sur mes propres moyens de mettre à disposition de la population. Mon centre commercial Prima a bien voulu me donner un espace. Et j'ai fait faire des meubles et on vendait des produits issus de la médecine traditionnelle. Je ne pouvais pas les vendre à la pharmacie, donc je les ai mis dans le couloir pour ne pas que les gens aillent couper n'importe comment les feuilles de nîmes, etc., etc. Mais ils avaient le conseil et le suivi. Et vous savez, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup avec mes enfants, surtout. Et comme on ne voyageait plus, j'ai fait 4000 km à l'intérieur de la Côte d'Ivoire profonde pour montrer la Côte d'Ivoire profonde à mes enfants et à mes filleuls. et là, j'ai vu un savoir-faire incroyable qui n'était pas mis en lumière. Donc quand je suis revenu, j'ai décidé déjà, ça a commencé par Boaké parce que Boaké est ma ville d'enfance de, euh qui m'a donné beaucoup de bonheur pendant mon enfance et ma jeunesse, je me suis dit, cette ville a été, euh, a souffert, à nous de redonner euh, quelque chose du bonheur à cette ville. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un magasin à Boisquet. Je peux vous dire qu'à cette époque, j'étais en train d'ouvrir une parapharmacie sur 600 mètres <laughs> carrés. Avant de faire ce voyage. Je... Dans un lieu prestigieux de la place. J'avais tout trouvé, les financements, tout, tout, tout. Mais tu ne fais pas 4000 kilomètres à l'intérieur des terres et tu n'en reviens pas indemne. Et j'avais besoin de, de, de vérité. Je dis, ce monde-là, je n'en veux plus. Ce monde de business à outrance, je n'en veux plus. Je veux juste mettre en lumière les artisans de l'ombre. Et j'ai commencé par boquer alors, vous nous avez donné un petit indice, vous êtes pharmacienne de formation, pourquoi avoir choisi d'ajouter cette corde-là à votre arc Parce que vous savez que nous, les pharmaciens, on meurt derrière le comptoir, on ne prend pas de retraite. Et il arrive un moment, quand ça fait 30 ans que tu conseilles, etc., surtout qu'on avait terriblement souffert avec cette crise, ça a été très difficile pour les équipes et pour moi-même. Euh, on a été pris d'assaut. J'étais même obligée de les faire travailler un jour sur deux. La pression était trop forte. Et et donc euh, moi aussi, j'avais envie d'un ailleurs, d'un autre chose. Euh, beaucoup de pharmaciens deviennent ministres, députés, ils font de la politique, maires, d'autres planteurs, etc. Moi, j'avais juste besoin de vérité et d'exprimer mes passions. Dans mes boutiques, vous retrouvez toutes mes passions et j'en ai beaucoup. Oui, effectivement, il y a les vêtements, il y a les chaussures, les objets de décoration, les cosmétiques bio, aussi, si je ne me trompe pas, bah, la médecine traditionnelle. Pourquoi un, un tel choix si loin de votre formation, surtout pour ce qui est vêtements, chaussures, objets de décoration euh, Vêtements, j'ai dans ma jeunesse j'ai toujours cousu mes vêtements moi-même parce que je je ne trouvais pas dans les magasins. Surtout pour les soirées, je ne trouvais pas euh, des vêtements à mon goût. Il euh, y a même euh, un de nos ministres qui, jusqu'à aujourd'hui, m'appelle look boule parce que c'était la première fois qu'on voyait une robe en forme de boule en Côte d'Ivoire et jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle look boule. C'était pour un mariage et tout et pour toutes les grandes cérémonies, je cousais moi-même mes vêtements parce que j'ai eu de la chance d'avoir euh, une mère qui a créé les foyers de femmes en Côte d'Ivoire et se comprenait pour une punition mes sœurs et moi. Tous les matins pendant les vacances, on devait aller dans ces foyers de femmes. Et ma mère apprenait l'excellence à ces femmes parce que le président ou boigny voulait que la femme ivoirienne soit éduquée. Donc le savoir-vivre. La couture, le crochet, s'occuper des enfants, la tapisserie, euh, tout. Euh, euh, la pâtisserie aussi la, euh, aussi, la coiffure. Donc, je sais faire tout ça. Je suis désolée, mais <laughs> c'était les punitions des vacances qu'on prenait pour une punition. Et ce qui fait que mes sœurs et moi, euh, on sait tout faire. On, on sait faire ça. Et je remercie ma mère pour ça. Elle est encore de ce monde. Euh, voilà, c'est c'est et et donc elle nous a mené vers ça. Une femme doit faire tout ça sans être esclave de son mari et tout en ayant son indépendance. Ça aussi elle me l'a appris. On y reviendra plus tard. Justement, et donc euh, de... et l'art, je suis férue d'art. Ah. Euh, là, je viens de faire des vacances euh, avec mes enfants. Euh, on a fait un road trip. Art et gastronomie. Euh... <laughs> Donc, euh, je me rappelle que mon fils qui est artiste, qui disait encore un musée quand il était petit, mais quand on arrivait au musée, que je disais bon, c'est l'heure du goûter, on s'en va. Euh, ah non, 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 j'ai pas fini, hein, et tout. Et ma fille est dans la gastronomie, qui est aussi de l'art, et elle a été aussi photographe comme mon fils. Avant, mon fils qui est photographe. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, euh, un petit peu un, et, 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 et mon mari euh, qui est dans les médias, c'est un artiste aussi à part entière. <laughs> on va pas citer son nom, non. mais euh... non, non, on va pas citer son nom. On va dire que c'est un petit peu un rêve de petite fille qui s'est réalisé à travers Utis Plus. Oui, oui, c'est mon échappatoire parce que vous savez, être dans les médicaments, la maladie, déjà, euh, ma pharmacie a été la première à changer les concepts. De pharmacie en Côte d'Ivoire. Les pharmacies étaient blanches et vertes, avec des grands comptoirs barrières. Euh, j'ai grandi dans ça aussi, puisque je viens d'une famille de cinq pharmaciens. Et la première chose, quand j'ai eu ma propre, propre pharmacie, c'est de changer les codes. Elle était bleue et jaune. Je ne savais pas que j'allais être au Lions Club, mais j'ai créé une pharmacie bleue et jaune. Un petit peu comme votre tenue aujourd'hui. <laughs> et j'ai ouvert les comptoirs. Quand j'ai fait ça, tout le monde a dit « elle est folle, elle va se faire voler », où le client avait accès euh, à tous les produits et tout. Et quand ils ont vu que ça changeait les regards et de la façon de travailler et communiquer, maintenant toutes les pharmacies ont changé de couleur, on en a même des roses, des rouges, etc. Donc je suis retournée dans le gris et blanc qui est plus sobre. <laughs> Alors, on va parler maintenant plus en profondeur de Rutis Plus. Comment vous établissez euh, votre sélection de produits alors ça je suis très difficile quand même, parce que euh, aucun produit ne rentre sans que je ne l'ai validé. Et puis j'ai des coups de cœur. Euh, vous verrez euh, euh, quand on va euh, exposer, il y aura des choses inédites qu'on n'a pas encore vues. Et surtout, euh, j'ai des coups de cœur, mais surtout je veux que ce soit utile mettre les artisans de l'ombre à la lumière. J'ai très peu de stylistes de renom. J'en ai quand même quelques uns, mmh. euh, mais pour moi, le grand luxe, c'est la démarche qualité. Quand vous avez euh, des handicapés que j'avais aidés au niveau du Lions Club à avoir des machines et tout ça, et qui font des choses extraordinaires, il faut les aider. Oui. Les femmes malades d'Anumabo, il faut les aider. L'aveugle qui fait je ne sais même pas comment il fait, qui fait des meubles et des sacs de couleurs en plus euh, et tout. Euh, il faut les aider parce que toutes ces personnes-là créent, mais n'ont l'opportunité que d'exposer à Noël, fête des mères, euh, peut-être un peu à la salle Valentin. Et je me suis dit, mais tu as 200 mètres carrés à Prima. Qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas les prendre pour toi toute seule. Donc je les ai appelés. Et ils viennent et chaque fin de mois, au moins ils ont un petit chèque qui leur permet de nourrir leur famille, même si c'est pas des milliards, ils ont quelque chose qui permet d'acheter au moins le sac de riz ou le loyer ou quelque chose. Et c'est plus ça, moi, parce que euh, je n'ai plus rien à prouver personnellement et donner du bonheur procure du bonheur. C'est euh, au Lyons Club, euh, Melvin Jones, le fondateur, a dit « On ne va pas bien loin si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Et moi, tout ce que je fais, c'est cette devise-là que je suis. Quoi. Alors, en trois ans d'expérience, quel bilan vous pouvez tirer de, de l'aventure Rutis Plus Alors, c'est une aventure passionnante, grisante. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est… Euh, l'approvisionnement parce que euh, avoir des choses de qualité et régulières c'est pas évident et puis des fois il y a un problème de matière de finition euh, c'est joli sur la photo mais quand vous touchez la matière vous ne pouvez pas mettre ça à disposition des personnes ou bien on a beaucoup de gens. Je suis désolée pour ceux qui font la cosméto, mmh. mais euh, qui disent euh, voilà, j'ai fait des produits pour le corps ou etc. Euh, mais dès que j'ouvre, moi-même je sais que c'est écrit bio, mais ce qui est dedans n'est pas naturel. Donc euh, vous ne vous verrez très peu de produits bio chez moi dans mmh. nos points de vente. Pourquoi Parce que la sélection est très difficile et je n'ai pas le temps. Mais moi-même, je fais des produits, quelques produits, surtout des tisanes et infusions que je compose. Je fais vérifier, etc. Et j'ai des recettes magiques aussi que j'ai pas encore euh, qui sont dans ma tête, puisque quand j'étais petite, mon père étant pharmacien, il faisait beaucoup de préparations. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Euh, vous êtes maman, vous êtes pharmacienne, vous êtes présidente gérante d'un concept store. Vous êtes aussi magicienne <laughs> à travers les tisanes. Quel conseil J'ai vous... aussi une société de représentation de marques de laboratoires pharmaceutiques. Je ne vais pas vous demander à quel moment vous vous reposez, mais. Je dors très bien. Bon. <laughs> je, je vais laisser cette question-là, mais surtout, quel conseil vous donneriez aux femmes aujourd'hui euh, pour jongler entre tout ça, en fait Bon, déjà, euh, il faut avoir un mari compréhensif. J'ai mis du temps à me marier, je me suis mariée sur le tard et je ne regrette pas. Parce que euh, si tu n'as pas quelqu'un pour te poler et te soutenir dans tes projets, tu ne peux pas le faire. Déjà un. Et mon mari m'a dit. On a eu un petit accident de vie, donc euh, on a pris 10 ans. Il m'a dit on a pris 10 ans de retard. À notre âge, on est obligé de travailler comme des juniors. Donc, toi et moi, continuons ce qu'on fait. Et bientôt, quand on ne pourra plus avancer, on va s'asseoir tous les deux à manger des cacahuètes devant la télé. Donc, allons-y. <laughs> donc, quand vous avez un mari comme ça, euh, vous ne pouvez que. Et, et puis, euh, qu'avancer. Et puis une autre chose, j'ai toujours appris à mes enfants que ce n'est pas la quantité de temps que vous passez ensemble, mais la qualité du temps passé ensemble. Donc ils le savent très bien. C'est pour ça que nous avons des rituels. On ne se voit pas souvent, puisqu'ils ne sont pas ici. Mais nous avons des rituels. Noël, c'est à la maison. Même si tu as une fiancée ou un fiancé, c'est chez nous. Et deux semaines en août pour nos road trips. C'est notre rituel. Et là, les gens ne comprennent pas, pourtant ils sont grands et tout. On dort tous dans le même lit, on est ensemble. C'est formidable. C'est formidable. Et c'est plus grand que passer des jours ensemble où on ne par parle pas, où on ne communique pas et tout. Et je vous assure que ces moments-là, c'est des... Et puis, quand j'ai une mission... Que quelque part je leur demande s'ils sont libres ils viennent me retrouver deux jours trois jours mais intense il faut faire de ces deux trois jours là quelque chose d'intense de découverte intense euh, et tout donc si on doit résumer le secret qui vous permet de de jongler c'est ma peu, famille c'est votre famille et puis vous savez quand les enfants grandissent tellement on s'est donné à les éduquer à les mettre sur le chemin et tout euh, en tant que femme il y a un grand vide. Tout d'un coup, les enfants sont partis du nid. Qu'est-ce que ça. tu fais Tu restes au fond de ton lit à pleurer, tous les jours, à regretter, à calculer à quelle heure ton mari va rentrer, etc., pour avoir des tensions nerveuses et <laughs> tout ça. Non, 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 des montées de tension. Non, non, non. Moi, je suis occupée. Je suis occupée. Mon esprit est occupé. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de, de me morfondre ni de me plaindre. Et en plus, au Lions Club, je rencontre tellement de misère que euh, tes problèmes sont relatifs. Alors, l'événement du 18 décembre, on va en parler. C'est l'anniversaire qui va se faire à travers une exposition-vente. Euh, vous venez d'évoquer le Lions Club. Donc, j'ai envie de vous dire, l'événement aura une portée caritative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je ne peux rien faire sans portée caritative. Ça, c'est. Clair. Même Africa Santé Expo, l'événement que j'organise pour euh, l'amélioration euh, euh, à l'accès aux soins de qualité et médicaments de qualité des pop populations, il y a aussi des, des actions caritatives, des pav pavillons enfants pour les former et tout ça. Et comme euh, l'anniversaire qui tombe le jour de la naissance de mon fils, c'est pour ça que je tiens aussi à le célébrer. <laughs> Euh, vous avez tous vu euh, des images euh, d'une école dévastée. D'une école dévastée. Nos écoles manquent de toilettes, euh, de bandes, souvent de plafonds, etc. L'éducation, c'est essentiel. Si vous voulez préparer l'Afrique de demain, c'est dès l'école. Je remercie euh, le Lyons Club, enfin je suis très fier parce que je suis président de région et dans ma région on a déjà depuis euh, entre septembre il y a deux semaines on a, on a offert aux populations d'une région cacaoyère où l'école était en terre battue et les le plafond, le toit en plastique, on a fait une école en dur euh, on l'a fait aussi à Mans il y, a, il y a une semaine, il y a un mois mm -hmm. donc euh, L'éducation, mais pour être bien éduqué, bien comprendre ce que le maître dit, etc., il faut être dans les bonnes conditions. Les, bonnes conditions. les images ravageuses de cette école qu'on a vue euh, dans une commune d'Abidjan, vous avez vu que le professeur refuse de mettre les pieds dans la classe. Ouais. Et le petit garçon qui dit Mais on n'a pas le choix, on est obligé d'être à l'école. Ça, c'est insupportable et intolérable. Donc, tous les achats faits, déjà, chez Rutis Plus, sont des. La majorité sont des achats solidaires, puisque je vous ai dit, les femmes malades d'Anoumabo, euh, les, 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 les jeunes filles qui sont en formation professionnelle de milieux défavorisés, etc., qui créent, euh, etc., des mamans qui font des bijoux ou quoi pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Euh, pourtant, j'ai des amis qui font des bijoux aussi formidables, mais quand ça, 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 ça touche à la famille et au bien-être, que ça permet d'améliorer le bien-être, ça, ça me touche. Vraiment, ça, 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 ça me touche et je suis très sensible à ça. Et donc, c'est ce qui vous permet de faire des achats euh, solidaires. Et les fonds. De cette euh, exposition-vente, exposition je ne peux pas prendre tous les bénéfices de mes fournisseurs qui vont venir exposer, mais il y a une partie qui ira avec euh, mon club Lyon, qui est le Lions Club Akoben de femmes que vous allez adorer. Euh, le Lyon's Club Abidjan Akoben a décidé d'organiser une collecte de fonds en soutenant aussi son, voilà, le logo de mon club. De femmes. <laughs> on est 30 femmes et un homme. Un seul homme dans ce club. C'est bien. C'est oui, oui, la oui. majorité féminine, le girl's sport. Oui, un i for chi. Mais on l'a mis trésorier contre <laughs> les <et compté> sous. <rire> <rire> Alors, quelque chose m'a frappé, Madame Caboret, c'est votre tenue en bleu et en jaune avec ces euh, petits pins, c'est cette cravate. Pourquoi un, je, je suis président de région, donc un des soldats du gouverneur de district. Euh, Aujourd'hui, nous avons le symposium Léo et vous avez dû remarquer depuis quelque temps que vous avez des gilets jaunes dans les supermarchés qui vous permettent de mettre... De, de, on est là pour collecter des, des dons pour pouvoir euh, permettre aux plus démunis de passer euh, Noël en ayant un repas correct. Donc je vous invite, tous les lions sont dans les supermarchés. Euh, je remercie euh, les supermarchés, je ne sais pas si je peux les citer, euh, qui nous ont ouvert les portes. Et là donc je suis en tenue officielle parce que je m'en vais retrouver nos jeunes Léo qui sont en symposium. Il faut former la relève de demain, toujours. Et dès que j'ai fini, j'enlève la veste et je mets mon gilet jaune pour pousser le caddie. Merci, Madame Linda Caboret. Je rappelle Merci. que vous êtes la présidente gérante de Rutis plus African Concept. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.